quartier, pour les croissants. Les gens intelligents regardent le Club Dorothée. Les autres... Princesse Cruella, l'ordinateur central détecte des ondes de bien sur la planète que nous survolons actuellement. Des ondes de bien, en êtes-vous sûr, Capitaine Malus? Aïe! Oui, Princesse Cruella! Oh, mais je croyais que grâce à nos efforts incessants, le bien avait enfin disparu de l'immensité galactique! Non! Aïe! Eh bien, apparemment, il en reste encore un peu, Princesse Cruella! Ah non, c'est pas possible, nous ne pouvons laisser ça, Capitaine Malus! Mettez le cap sur cette planète! Aïe! Très bien, Princesse Cruella! Oh, nous allons détruire sans pitié cette dernière étincelle de bien qui empêche le mal de triompher à jamais dans l'éternité galactique! Aïe! À vos ordres, Princesse Cruella! Oh, jolie petite fleur aérienne, laissez-moi encore respirer votre doux parfum. Ça suffit, grande fleur Patrick, tu passes ton temps à respirer mon doux parfum. Mais il est si doux, jolie petite fleur Ariane. Ben je sais bien qu'il est doux, grande fleur Patrick, mais tu passes ton temps à me respirer sans arrêt, c'est énervant à la fin. Oh, mais c'est tellement enivrant, jolie petite fleur Ariane. Oh, je vous en supplie, laissez-moi respirer encore une fois votre doux parfum. J'ai dit non, grande fleur Patrick. Non, non et non. Ben, pourquoi pleures-tu, grande fleur Patrick? Parce que vous ne voulez pas que je respire votre si doux parfum, j'ai une petite fleur Ariane. Bon, d'accord. Vas-y, respire-moi. C'est pas la peine de te mettre dans des états pareils. C'est vrai ça, jolie petite fleur Ariane? Je peux encore vous respirer? Ben, puisque je te dis que oui. Oh, oh merci, jolie petite fleur Ariane. Que c'est bon. Pas de pitié pour les croissants. Ce que j'aime, cette ambiance. L'ordinateur central me donne des précisions, Princesse Cruella. La planète de laquelle proviennent les ondes de bien est peuplée de végétaux. En êtes-vous sûr, Capitaine Malus? Aïe! Absolument sûr, Princesse Cruella! Bien. Alors, Capitaine Malus, nous allons donc procéder à un désherbage de cette planète. Aïe! À vos ordres, Princesse Cruella! Aïe! 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 Et dame de carreau, ouais. Et roi de carreau, dis donc d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai, c'est toujours toi qui gagne. C'est normal chez Chounette. Les forces du bien triomphent toujours. Oh, c'est drôle ce que tu viens de dire. Oh, les forces du bien triomphent toujours. Oh putain. Qu'est-ce que c'est encore? On peut jamais être tranquille. Oh. Ouais. Si on répondait pas. Oh, t'as raison, Chichounet. Eh, on va pas répondre. Et on va faire comme si qu'on n'était pas là. Mission spatiale 22-13, ici la base des défenseurs de l'univers. Répondez. Et comment qu'on va te répondre, imbécile? Surtout c'est encore pour nous envoyer au casse-pipe. Y'a personne, on est là pour personne, elle est debout. Mission spatiale 22-13, répondez, l'univers est en danger. Elle cause toujours, tu m'intéresses. S'ils croient ça avec des vieux trucs comme ça qu'ils vont nous avoir. Vaisseau spatial 22-13, vaisseau spatial 22-13. Mon Dieu, le vaisseau spatial 22-13 ne répond plus. Ça a marché, Chichounet. Oh, c'est super. Ils vont enfin nous laisser en paix. Attends, écoute encore. Appel à toutes les unités. Le vaisseau spatial 22-13 ne répond plus. Après une lutte héroïque, son équipage a succombé aux assauts incessants de l'ennemi. Observons quelques secondes de silence à la mémoire de nos héros. À la mémoire des héros. Ah, ça a encore mieux marché que je ne pensais, Chichounette. Ça y est, on est tranquille, ils vont enfin nous laisser en paix. Oh, Chichounette, c'est super. On va enfin pouvoir se la couler douce. Maintenant que nous avons honoré la mémoire de nos héros, nous allons procéder à la destruction de leur vaisseau afin que nos secrets ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Hein? Hé! 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 Hé!
c'est comme une caca. Et encore en panne. Compte à rebours pour destruction du vaisseau spatial 22-13. 1.3 minutes. Mais là, on est là. 2 minutes 58. On est là. Pas de pitié pour les croissants. Qu'est-ce que c'est bien. Bon, ça y est maintenant. Tu m'as assez respiré, grande fleur Patrick. Oh, encore une fois, petite fleur Ariane. Petite fleur Ariane, grande fleur Patrick, mais où êtes-vous? Oh, zut, la reine des fleurs. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut encore? On est là, madame la reine des fleurs. Oh, petite fleur Ariane, grande fleur Patrick, mais que faisiez-vous? Ça fait une heure, je vous cherche. Bah, c'est-à-dire que... Bah, c'était ma faute, madame la reine des fleurs, voyez-vous? Je voulais sortir encore une fois la petite fleur Ariane. Encore, grande fleur Patrick, mais tu fais pas te rendre malade si tu continues. Mais ce n'est pas ma faute, madame la reine des fleurs. C'est... Moi, je voulais pas, hein. C'est lui. C'est lui, il s'est mis à pleurer. Ça, grande fleur Patrick, ce n'est pas bien. Il ne faut jamais user des larmes pour obtenir ce qu'on ne mérite pas. Mais enfin, madame la reine des fleurs... Il n'y a pas de mais. J'ai besoin de vous. Le roi a encore une attaque. Encore? Oh, le pauvre. Et comment va-t-il? Ça a l'air d'aller mieux, mais il faut que l'on trouve de l'engrais si nous voulions qu'il survive. De l'engrais, madame la reine des fleurs? Mais enfin, où voulez-vous qu'on trouve de l'engrais? Vous savez très bien que notre pays en manque cruellement. Je sais, mon petit fleur Ariane, je le sais. Mais souvenez-vous de la légende. Vous voulez dire la légende qui dit que de l'autre côté de la planète, il y aurait une montagne d'engrais? Mais personne ne l'a vérifié, madame la reine des fleurs. Hélas, un pauvre grand fleur Patrick, il n'y a que deux solutions. Soit cette légende est vraie, et ainsi nous sauvons notre bon vieux roi des fleurs, soit cette légende est fausse, et notre bon vieux roi des fleurs se fanera lentement comme une vieille fleur usée. Oh non, madame la reine des fleurs! Il ne faut pas que notre bon roi des fleurs se fane! Il est tellement bon! Mais c'est pour ça qu'il faut y aller sans plus tarder, ma petite fleur Ariane. Trouvons la montagne à l'engrais! Mais madame la reine des fleurs, vous ne vous rendez pas compte des dangers qu'il y a à affronter pour aller de l'autre côté de la planète? Eh bien, tant pis, grande fleur Patrick. Il ne faut pas que notre bon roi des fleurs se fane. Bravo. Je viens avec vous, madame la reine des fleurs. Très bien, ma petite fleur Ariane. Tu es la plus belle et la plus courageuse des petites fleurs du royaume. Madame la reine des fleurs, eh bien, si la jolie petite fleur Ariane y va, bah, j'y vais aussi parce que je ne peux pas vivre sans son parfum. Merci, ma grande fleur Patrick. Tu n'es pas très intelligente, mais nous aurons besoin de ton aide pour affronter tous les périls qui nous attendent. Bah alors, madame la reine des fleurs, qu'est-ce que nous attendons? Il faut y aller tout de suite! Tu as raison, petite fleur Ariane. Ainsi nous serons notre bon vieux roi des fleurs. On y va! Pas de pitié pour les croissants. Quelle superbe histoire! Mais répondez-nous, on est là! Je vous dis qu'on est là! Ça sert à rien, chichoulette, ça sert à rien, ils répondent pas, ils nous entendent pas! Mais qu'est-ce qu'on va faire, chichoulette? Ça va sauter! Il n'y a plus qu'une solution, chichoulette! La chaloupe de survie! Mais la chaloupe de survie, mais ça va pas, la tête, elle est complètement pourrie! Chichoulette, c'est ça ou la désintégration? Allez, hop, on y va, chichoulette, on y va! Si avec ça on survit au danger de l'espace, eh ben bonjour! Allez, dépêche-toi, chichoulette! Et puis baisse ta vitre, bientôt qu'il va exploser! T'es prête? Ouais! SNCF! SNCF! Je te dis, chichoulette, on l'a échappé belle! Ouais, mais enfin, c'est pas avec cette fichue machine qu'on va aller bien loin, y'a rien qui marche! Mais qu'est-ce que c'est encore? Oh, regarde, chichoulette! Ouais! Y'a une planète là-bas! Oh bah ouais, elle est pas terrible, hein. Mais c'est quand même mieux que rien, hein. T'as raison. Bon bah écoute, on va essayer de se poser, hein. Cramponne-toi, hein, chichounet, Non, pas en marche arrière, chichounet. Pas de pitié pour les croissants. Oh, ça c'est rigolo. D'où venait cette explosion dans l'espace, capitaine Malus? Aïe, ce n'est rien, princesse Cruella. Simplement un vaisseau des défenseurs de l'univers qui se désintégrait. Ça ne m'étonne pas avec leur matériel pourri. Enfin, s'en fait déjà un de moins.
Aïe! Princesse Cruella, l'ordinateur central vient de détecter que l'équipage du vaisseau des défenseurs de l'univers tente de s'échapper à bord d'une chaloupe de sauvetage. Bien, qu'on les capture, capitaine Malus. Qu'on les capture immédiatement! Aïe! À vos ordres, princesse Cruella. Champ capturateur en action. Capitaine Malus, dans quelques instants, nous aurons de beaux petits jouets pour nous amuser avant de désherber cette planète des végétaux. Aïe! Oui, princesse Cruella! Aïe! Tu vas avancer, cochonnerie, mais tu vas avancer! Mais qu'est-ce qui se passe, Chichou, là, qu'on avance plus? Je sais pas, Chichounet, j'ai beau appuyer sur ce champignon, cette belle machine refuse de bouger! Attends, je vais y essayer, moi! Mais tu vas avancer, pourriture, tu vas avancer! Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Chichou, là, pour appuyer? Chichounet, regarde! Pas de pitié pour les croissants. Le Club Dorothée, l'émission qui rend intelligent. Ça y est, Princesse Cruella, nous avons capturé la chaloupe de sauvetage du vaisseau des défenseurs de l'univers. Il y a deux personnes à bord, un homme et une femme. Très bien, Capitaine Malus. Je sens que nous allons nous amuser. Aïe! Princesse Cruella, ils sont fous de terreur! Vous avez raison, Princesse Cruella! Mais tu vas t'ouvrir, cochonnerie! Tu vas t'ouvrir! Fais pas ça, Chichounette! Fais pas ça! Mais de toute façon, elle est coincée, cette imbécile de portière! Chichounette, de toute façon, c'est pas la peine de s'énerver. On les fait comme des rats. Oh, oh Chichounette, si nous devons mourir, mourons serrés l'un contre l'autre! Chichounette! Dites-moi, madame la reine des fleurs, c'est encore loin, l'autre bout de la planète? Grande fleur, Patrick! N'importune pas, madame la reine des fleurs, avec des questions si stupides! Tu sais très bien que l'autre côté de la planète, eh ben c'est l'autre bout du monde! Ne lui crie pas dessus, petite fleur Ariane. Tu sais bien que notre grande fleur, Patrick, a été atteinte par un champignon lorsqu'elle était une jeune pousse, et que ça a laissé quelques traces dans son pistil. Alors... Je sais bien, madame la reine des fleurs, mais il y a des moments, hein, où il est vraiment énervant, hein! Excusez-moi, mademoiselle la petite fleur Ariane. Excusez-moi, madame la reine des fleurs. Oh oh! Grande fleur Patrick, tu ne vas pas te remettre à pleurer. Mais madame la reine des fleurs, comprenez-moi. Je suis fatiguée, la nuit va tomber. Et en plus, j'ai mal aux racines. Tu veux que nous fassions une petite pause, grande fleur Patrick? Il n'en est pas question, madame la reine des fleurs. Notre bon roi des fleurs attend son engrais et vous savez très bien que tout retard pourrait lui être fatal. Mais tu vois bien que cette pauvre fleur est épuisée. Je crois que j'ai une autre solution, madame la reine des fleurs. Grande fleur Patrick. Petite fleur Ariane. Ça te ferait plaisir de me respirer? Oh oui, petite fleur Ariane. Eh bien, je t'y autorise. Seulement si tu me rattrapes. Je viens, petite fleur Ariane. Ces jeunes plantes sont vraiment des pousses folles. Pas de pitié pour les croissants. Qu'est-ce que c'est bien? Opération capture réussie, princesse Cruella. La chaloupe de sauvetage du vaisseau des défenseurs de l'univers est dans nos soutes. Très bien, capitaine Malus, qu'on nous amène les prisonniers. J'ai envie de m'amuser un peu. Aïe! À vos ordres, princesse Cruella. Android ZY92, platine 45 BHV KLM. Vous m'avez appelé, capitaine Malus. Android ZY92, platine 45 BHV KLM. Allez chercher les prisonniers. Aïe! Tout de suite, capitaine Malus. Tiens, comment se fait-il que votre androïde réagisse quand vous tendez le nez? Je pensais qu'ils étaient insensibles. Aïe! Oui, effectivement, princesse Cruella, mais c'est moi qui l'ai programmé de cette sorte. Vous comprenez, ça me détend. Ah? Que se passe-t-il, capitaine Malus? Alors? Aïe! C'est l'ordinateur central qui nous signale que nous sommes prêts à désherber définitivement la planète des végétaux, princesse Cruella. Puis-je confirmer l'ordre?
Ne soyons pas si pressés, capitaine Malus, non. Nous avons tout notre temps. Posons-nous d'abord sur cette charmante petite planète. Et il y a peut-être plus méchant à faire que de tout simplement la désherber, d'accord? Aïe! Vous avez raison, princesse Cruella. Ce que vous êtes intelligente. Je pose immédiatement le vaisseau. C'est cela, posez le vaisseau, capitaine Malus. Et lorsque nous serons assez amusés avec nos charmants prisonniers qui est allé chercher votre androïde, eh bien, je crois que je m'occuperai personnellement de cette charmante petite planète. Aïe! À vos ordres, princesse Cruella. Oh, regardez, madame la reine des fleurs! Une étoile filante, là, dans le ciel! Tu as raison, bonne Floriane, fais un vœu, vite! Ben moi, je le connais, mon vœu. C'est de toujours pouvoir respirer le doux parfum de la jolie petite fleur Ariane. Nos amis ne savent pas que cette étoile filante est en réalité pour eux le plus terrible des dangers. Le vaisseau spatial des forces du mal qui se pose pour détruire leur belle planète. Comment va se terminer cette palpitante aventure? On aimerait bien le savoir, nous aussi, hein, Chichounette? Ah, t'as raison, Chichounette! Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Pas de pitié pour les croissants! C'est pas déjà fini! Pour les croissants. Dites, monsieur Telmoujotte, on pourrait en avoir encore un tout petit peu. Oh, regardez, madame la reine des fleurs! Une étoile filante, là, dans le ciel! Oui, tu as raison! Elle est où? Ah, c'est la grande ampoule, là.
C'est la grande prise qui tombe. Ah non, 180, moi je lis pas, 118, je vois pas. Aïe, oui, aïe, oui, aïe, oui, grâce à ce qu'on est là. Pas des soeurs Ariane, grâce à Patrick, mais où êtes-vous? Oh zut, la reine des rêves des fées. C'est mon tour. C'est moi la petite et c'est lui la grande. Y a qu'à regarder.